Salut toutes et à toutes et bienvenue sur Satina Foot pour cette nouvelle vidéo concernant la liste des 23 joueurs convoqués par Kaba Diawara pour faire face à l'Éthiopie ce mois de mars. Mais avant de se plonger au fil du sujet, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, d'aimer, de liker, ça me ferait plaisir. Allez, c'est parti pour la vidéo. Le sélectionneur du Sili National, Kaba Diawara, a rendu public ce vendredi 10 mars 2022 la liste des 23 joueurs retenus pour la double confrontation contre l'Éthiopie. Dans le cadre des 3 et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023, mais qui aura lieu en 2024 en Côte d'Ivoire, à l'occasion d'une conférence de presse tenue ce vendredi à 11h, que l'ancien du Sili National devenu sélectionneur a dévoilé sa liste de 23 joueurs pour affronter l'Éthiopie, et cela s'est passé au siège de la Fédération guinéenne de football. Notons que les matchs aller-retour Guinée-Éthiopie se tiendront au Maroc le 24 et le 27 mars en raison du fait qu'aucun des deux pays n'a un stade approuvé par la CAF, ce qui pousse les deux nations de voyager vers Maroc pour la double confrontation. Notons également le retour de François Kamano, le joueur de Lokomotiv Moscou, et de Morlaï Silla, le sociétaire d'Aruka, qui figure sur cette liste de 23 joueurs. Et aussi la toute première sélection de Yadeli Diaby et de Dembo Silla. Yadeli Diaby, un jeune milieu offensif évoluant dans la formation de SC Austria. Dembo Silla, un jeune défenseur central évoluant dans la formation du Stade Lavalloise en France. Voici la liste des grands absents sur la liste du sélectionneur guinéen Kaba Diawara pour la double confrontation de la Guinée contre l'Éthiopie. Au compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, Simon Fallette, Julien, Marc Janvier, Sori Kaba, Mamadou Kané, Madi Camara, Martinez Kanté ou Abdoulaye Cissé. Ce sont les grands absents sur cette liste de 23 joueurs. À noter aussi, le seul joueur local de cette liste est Moussa Pimpin Camara, le gardien de but du Oraya Athletic Club. Et maintenant, place à la liste complète des 23 joueurs convoqués par Kaba Diawara. Gardien de but, le sélectionneur a fait appel à 3 gardiens de but, dont Ibrahim Kone, Hibernians, Malte, Ali Keita, Östersund, Suède, Moussa Camara, Oraya Athletic Club, Guinée. Défenseur, pour épauler les gardiens et retenir les attaques de l'équipe adverse, Kaba Diawara fait appel à Antoine Conte, Hapoel Tel Aviv, Israël, Dembo Silla, Stade Lavalloise, France, Ousmane Kanté, Paris FC, France, Seydou Sow, Saint-Étienne, France, Mokhtar Diakhaby, du côté du Valence, Espagne, Ibrahim Sori Conte, Niort, France, Issiaga Silla, Montpellier, France, Ibrahim Diakité, Eupen, Belgique. Milieu de terrain, pour animer le jeu, dominer la rencontre, avoir le poumon du jeu, le sélectionneur fait appel à Amadou Diawara, Anderlecht, Belgique, Seydouba Cissé, Leganés, Espagne, Mori Konaté, Saint-Trône, Belgique, Moriba Koroma, Valence, Espagne, Morlaï Silla, Aruka, Portugal, Naby Keita, Liverpool, Angleterre. En attaque, pour marquer des buts tout en sachant que l'attaque du Sili National n'a pas marqué de but depuis longtemps. Espérons que ça va changer face aux Éthiopiens. Kaba Diawara sélectionne 6 attaquants, dont François Kamano, Lokomotiv Moscou, Russie, Morgan Gilavogui, Paris FC, France, Tierno Barry, SD Tenerife, Espagne, Yandali Diaby, Austria, Lusteno, Autriche, Mohamed Bayo, Lille, France, et Sehrou Girassi, Stuttgart, Allemagne. C'est la liste complète dévoilée par Kaba Diawara pour disputer la double confrontation face à l'Éthiopie au compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. Et on arrive au terme de la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, d'aimer si la vidéo vous a vraiment plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Bye et bonne chance Sili.